Aujourd'hui, je suis contente de faire le bilan de cette action qui a été menée en partenariat avec le Lions Club International, dont je fais partie, et des élèves d'une classe de BTS SAM NDRC1 du lycée Laetitia, dont je suis le professeur d'anglais. Et c'est une action qui a été décidée avec les étudiants et elle les motivait énormément. C'est une action de collecte de lunettes. Ces lunettes sont ensuite recyclées et envoyées dans des dispensaires dans le monde entier. Et ce qui leur a plu, c'est justement le fait qu'il y ait deux buts importants, l'aide aux personnes, le service, hein, le côté humanitaire, mais aussi l'environnement, la protection de l'environnement, puisque cela fait des déchets en moins, puisque souvent ces vieilles lunettes se retrouvent dans les décharges. Voilà. Auprès de qui ils ont récolté ces lunettes? Alors, ces lunettes ont été récoltées auprès des élèves du lycée, que nous remercions, et aussi auprès de différents opticiens de la ville d'Ajaccio. Et la collecte a permis d'obtenir plus de 1200 paires de lunettes, plus de 500 étuis à lunettes, ce qui correspond à un don, si on veut, un don en euros de 4000 euros. Cette action, elle entre aussi dans le parcours scolaire de ces BTS? Oui, bien sûr, puisque en BTS SAM, ils ont des projets à mener à bien, et donc ça a permis de travailler. J'ai travaillé en collaboration avec mes collègues, et sur 2 mois, nous avons eu des heures qui étaient destinées dans le projet à cette action. Quel bilan vous en retirez? Alors pour moi, écoutez, cela fait 20 ans que je suis au Lions Club, et c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, j'ai eu l'occasion de travailler avec les BTS, de les faire participer au service. Et je crois que c'est très important pour eux. Ils ont toujours été, ça je tiens à le souligner, les jeunes, si on leur demande d'aider, ils sont toujours prêts. Ce qu'il faut, c'est que les adultes pensent à aller vers les jeunes, à leur demander leur aide. Et on a fait beaucoup d'actions. Et là, c'est la plus belle action faite au lycée, puisqu'elle a un retentissement très important. Ces dernières semaines, bon, tout d'abord, nous sommes occupés des lunettes. Nous sommes allés chez tous les opticiens d'Ajaccio et nous avons récupéré tous les cartons. Donc, nous avons récolté avec la classe de BTS SAM plus de 1200 lunettes, voilà, qui seront données aux associations humanitaires. C'est comme si. C'est, comment dire, c'est comme nous avons récolté entre guillemets 4000 euros pour les associations aussi. Voilà. Quel bilan vous en retirez de cette action? Bah écoutez, un goût du travail, on a beaucoup travaillé, du coup, notamment pour récupérer toutes ces lunettes, notamment les enjeux qu'il y a également avec la réduction des déchets et puis venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'important et qu'on a su, je pense, mettre à bien. C'est quelque chose qui sera bénéfique aussi pour vos études? Oui, je pense, parce que ce qu'on a fait, c'est quelque chose de bien. Donc, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être pour les personnes en difficulté, avec un gros handicap, tout ça. Et ça peut nous apporter ça va apporter une bonne image, justement, pour notre avenir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de participer à ce projet, à cette action. Vous aimeriez multiplier ce genre d'action? Pourquoi pas? À l'avenir, ce serait quelque chose d'intéressant, ce serait quelque chose d'important par rapport à tous les enjeux qu'il y a derrière. Puis après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça donne une bonne image, ça renvoie une bonne image de la formation. Donc c'est pas mal, ça peut permettre de sensibiliser également d'autres personnes, notamment au vu des divers enjeux qu'il y a. Et je pense que c'est quelque chose notamment de très très important.